Baptiste de l'école de surf Moana. Bah, les atouts de l'île d'Oléron en surf, bah, c'est simple. On a l'avantage d'avoir un plateau continental qui remonte très progressivement par rapport à la Bretagne ou au sud-ouest de la France. Donc déjà pour une école de surf, au niveau de la sécurité et de la violence des vagues, on est beaucoup mieux loti que dans le sud-ouest où les vagues sont très creuses, très puissantes. Après, on a aussi l'avantage d'avoir quelques spots un petit peu cachés et ou secrets, ou alors des très bons bancs de sable qui font des vagues intéressantes pour nous, entre guillemets, surfeurs aguerris ou professeurs de surf, qui sont des endroits puissants, voire dangereux. Et du coup, cette variété de spots et cette mixité aussi de fonds rocheux, dans le sud, le sable, et dans le nord de l'île d'Oléron, c'est plus calcaire et rocheux, d'avoir autant de spots de riff que de bancs de sable et ou d'embouchures, qui font de l'île d'Oléron un territoire de jeu hyper intéressant. On a aussi l'avantage d'être dans un chapelet d'îles, et d'avoir l'avantage de pouvoir aller surfer et sur la côte sauvage, au niveau de la Tremblade jusqu'à la Palmyre, et aussi dans l'île de Ré.